أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا. العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم ومولانا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انتقني بالهدى والهمني التقوى مؤمنين عزيز عزيزان محترم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Si on regarde bien Ayat al-Tathir, c'est l'ayat dans la sourate al-Ahzab, sourate al-Ahzab, ayat 33. Ça c'est connu entre tous les musulmans et surtout, surtout, tous les chiites. C'est connu cet ayat-là, le ayat spécial pour ahl al bayt Ali ibn le Salat wa salam et pour Maasumin. Peut-être quand on passe par cette ayat-là, on regarde seulement la traduction. Mais le vrai tafsir, c'est comment à propos de cette ayat-là Le premier mot dans cette ayat-là, vous voyez, Bismillahirrahmanirrahim, Innama, Yuridullah. Les mots Innama en arabe, Mu'minin Aziz, Coran Majid, c'est sage et les paroles de Dieu, plein de sagesse dedans. Allah, quand il parle à propos d'une seule chose, regardez bien le ayat et regardez bien la façon de parler. C'est ça l'importance de, de langue arabe, c'est ça. C'est le ne'mat, vraiment, quand on comprend et on parle l'arabe, ça c'est le ne'mat Pourquoi Parce que pour connaître le Coran et pour savoir le Coran et il faut avec la langue arabe. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit « innama »« yuridullah ».« Innama » en arabe, si on regarde bien le grammaire arabe, ils disent innama » c'est « adatu hasrin »« adatu hasrin ». Cela veut dire quoi « adatu hasrin » Par exemple, si vous parlez à propos de quelque chose en arabe, par exemple... Vous utilisez les mots innama, cela veut dire le paroles après, c'est spécial. Avec innama là, cela veut dire ces paroles là, ces choses là, spécialement pour ces gens là. Je répète, Bismillahirrahmanirrahim. Le Quran et Majid a dit innama yuridullah, liyudhiba ankum ridsa ahlal bayt, wa yutwa kum C'est ça le ayat. Si on veut, par exemple, pour coller ou pour rester tout le temps avec notre bon Dieu, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autre chemin sauf le chemin de al ibayt C'est ça l'entrée de Hayat et c'est ça la vérité de cette Hayat-là pour rester avec Allah tout le temps. On vivre avec notre bon Dieu. Aucun chemin. Sauf on vivre avec Ahlibaït. On regarde le chemin Bayt Ils sont partis. Quel chemin, par exemple? On prend ce chemin-là. Si on a pris ce chemin-là, cela veut dire on est avec notre bon Dieu tout le temps. C'est ça le tafsir de Inna ma yuridullah. Le yuthibah an kumurid sa ahl al bayt wa yuthahirah kum Imam Hussein ahl bayt ou non? Oui, Imam Hussein ahl bayt. Imam Hussein ma'asumin ou non? Imam Hussein aussi, c'est ma'asum. Imam Hussein notre imam ou non? Oui, Imam Hussein c'est le troisième imam. Dans notre madhabe, Abdullah, Pour aujourd'hui, je vous amène en vivre ensemble avec cette hadith qudsi... -e hadith qudsi -e cela veut dire hadith de la part de notre bon Dieu, Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre Seigneur. Allah, il a créé toutes choses à la main de dieux. Après, il connaît toutes choses aussi. Allah, tabarak, wa ta'ala, dans cette hadith écoute-ci. Et de toute façon, hadith écoute c'est long. Mais quelques phrases, petites phrases seulement. J'amène cette phrase-là. On vivre avec ça aussi. Et on peut vivre avec ça jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jour du jugement. C'est quoi le parole Allah, tabarak, wa ta'ala, a dit Allah a dit, Anna. Je suis riche et je ne suis pas pauvre. Ça, c'est parole de Dieu. Alors quelquefois, nous, quand on dit comme ça, je suis riche, par exemple, je ne suis pas pauvre, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Et la richesse, notre richesse aussi, peut-être aujourd'hui, demain, ça change autre chose. Mais pour Dieu, si Allah ta a dit comme ça, je suis riche, je suis pas pauvre, et ça c'est la vérité. Parce que Allah, c'est lui qui a créé la terre et les ciel à la main de Dieu, toutes choses à la main de Dieu. Si Allah ta a dit comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité et ça reste la vérité tout le temps. Allah wa Ta adi, ana fakirun la ana, pardon, ana la Allah wa Taala a dit, Allah a dit, moi je suis riche et je ne suis pas pauvre. Mais est-ce que nous sommes tous humains, insanes? est-ce que le sifat et le caractère des ça, on peut venir sur cette caractère là ou non on peut aller sur cet caractère-là ou non. On peut vivre sur cet caractère-là ou non. Allah wa ta'ala, la suite des hadiths a dit, ⁇ Tout ce que je t'ai dit, faites. Faites tout ce que je t'ai dit. Par exemple, Allah wa ta'ala a dit, faites namas. On fait namas. Donnez zakat, on donne. Amri bil ma'ruf, nahiyanil munkar, faites-vous ça. On fait. fima amartuk. Si on fait tout ce que Allah Ta'ala ta il veut, Adja'alak, Allah Ta'ala ta a dit, je te fais aussi, je te fais, Adja'alaka ghaniyan la taftaqir. Je te fais aussi comme moi. Vous êtes riches, vous ne serez pas pauvres. Allah tabarak wa ta'ala dit comme ça. On vient sur Imam Hussein alayhi Est-ce que Imam Hussein, il est riche ou il est pauvre Imam Hussein, Alhamdulillah alamin. Il est riche aussi. Pourquoi Parce que il était vivant et ils vivent avec Dieu, avec Allah wa Et aussi, Mou'min Aziz, ne pensez pas que la richesse, seulement si on est millionnaire ou milliardaire ici sur la terre, C'est pas ça la richesse. Si on dit la richesse ici, si, c'est la richesse des nafs, de l'âme. Et tout cela dans les dohaïs Arafat, il a dit Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alni. Ghaniyan fi qalbi akbar. Qalb, le cœur c'est le riche, c'est pas la main, c'est pas le. Quand on vit ici sur la terre, on voit que on a des voitures, on a de la maison, on a de... beaucoup d'argent, on dit on est riche, c'est pas ça, la richesse. La richesse de nafs. Nafs, c'est ghanian, c'est riche c'est ça le meilleur chose Imam Hussein c'était comme ça Au Bédounia, il a laissé c'est pour cela il est parti au Karbala avec la famille sinon si Imam Hussein wasalam, il a, il a aimé le dounia il a pas parti parce que tout le monde ils sont dit Imam ne part pas mais Imam il est parti parce que il a laissé donner l Imam il était riche dans son âme nafs c'est ça la tradition de doya Imam Hussein salam on a besoin de rina on a besoin de la richesse ici dans notre âme c'est pas l'argent à la main aziz sinon L'argent, ça, ça reste ici. Voiture, ça reste ici. Tout ce qu'on a, ça reste ici. Ce qui part avec nous, c'est quoi C'est l'iman. Iman qui part avec nous. C'est Amal qui part avec nous. Mais tout ce qu'on a, l'argent, tout ça, ça reste ici sur la terre. Ça reste ici sur la terre. C'est ça la richesse, mon amartuk. <t 'en> الله تبارك وتعالى ادي tout ce que je te dis faites faites tout ce اجعلك غنيا لا تفتقر si tu fais ça vous serez riche et vous serez pas jusqu'à la fin pauvre imam وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس وقاسم بن الحسن. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم